Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarive et nous sommes sur le chantier. Il y a eu beaucoup de changements ici et aujourd'hui les conditions météorologiques nous permettent de travailler au même rythme que d'habitude. Bien sûr, certaines restrictions sont imposées et certains travaux à effectuer apparaissent. Mais néanmoins, le rythme est assez rapide et tout le monde fait ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, c'est le 165e jour de l'installation des structures métalliques et je vais quand même y attirer votre attention parce que c'est un jour très important. Pourquoi ce temps-ci? Je pense que vous l'apprendrez un peu plus tard dans cette vidéo. Mais maintenant, énumérons ce qui se passe et quels travaux sont effectués. Donc derrière moi, vous voyez la grue qui travaille avec l'escalier. Un coffrage amovible est monté afin de continuer à couler du béton et après que cet escalier en béton soit coulé, il sera possible de fermer la toiture à l'endroit où le secteur est toujours ouvert et cela permettra déjà d'approcher l'achèvement des travaux de toiture. Mais il est également nécessaire d'assurer la contiguïté du toit aux sorties des marches d'escalier. Les marches d'escalier seront recouvertes d'une toiture souple. Pour ces travaux, il est nécessaire d'acheter de la brique. Vous la voyez aussi derrière mon dos. Elle est à l'abri des précipitations possibles avec une tente. De là, des éléments spéciaux seront posés, ce qui permettra de fournir une gouttière et de protéger tout contre les précipitations. Par conséquent, il reste encore beaucoup de travail à faire. La préparation des travaux de béton se poursuit également. Ainsi, pour commencer les travaux de béton sur le coulage des premiers et deuxièmes étages, nous devons réduire le prélèvement de la chaleur. Il y a différentes façons de le faire. Que signifie le prélèvement de la chaleur? Le fait est que le bâtiment a un cadre métallique et un coffrage non amovible. Ce coffrage est également fixé au cadre métallique. Il s'avère que lorsque la température ambiante baisse, la température du béton est aussi basse, ce qui n'est pas bon. Par conséquent, il faut le bien chauffer ou réduire l'effet du gel. Et pour cela, nous avons commencé des travaux très importants. Déplaçons-nous et je vais vous montrer ce que l'on a commencé à faire. Dans cet endroit, vous voyez ce qui rend cette journée très importante. Aujourd'hui, l'installation des structures de clôture a commencé, à savoir l'intérieur des murs. Ce sera un panneau sandwich qui sera composé de la partie intérieure de l'isolation et de la partie extérieure. Le montage est en cours, il a commencé à grande échelle. Maintenant, au fil du temps, vous verrez les résultats sur la fermeture du contour. Et juste la présence de ces murs, des cloisons, permettra de minimiser la chaleur. Parce que les courants d'air disparaîtront, les structures métalliques ne se refroidiront pas autant, le béton sera en mesure de gagner pleinement sa force, ce qui est très bon car il y aura moins de chaleur, moins de coûts, moins de problèmes, moins de travail supplémentaire. Je vous en félicite tous. Mais ce n'est pas tout. Il y avait un autre événement agréable dans la vie des constructeurs qui travaillent sur le premier et le deuxième étage. Cet événement est également important pour nos opérateurs qui montent constamment à l'étage. Voyons ce qui s'est passé. Allons-y. Alors, quel est cet événement joyeux? Nous ouvrirons vraiment le voile du mystère. Tout d'abord, il est devenu plus chaud. Allons-y. Nous marchons avec vous sur l'escalier de la marche d'escalier du Bureau technologique d'études et d'ingénierie Sovelmash. Et ce n'est plus une solution temporaire, c'est un escalier permanent que les futurs employés prendront. Voilà un constructeur qui dit qu'il aime bien monter cet escalier. C'est super! Alors que les travaux sont encore en cours, allons voir à quoi ça ressemble.
Eh bien, nous sommes arrivés au deuxième étage. Il y avait des cartes collées de béton. Il est très agréable que nous puissions déjà mettre nos pieds sur les structures fondamentales sur lesquelles seront ensuite situés les sites de production, peut-être des bureaux. Honnêtement, je ne dirais pas exactement, il faut regarder le plan. Mais c'est déjà très agréable. Vous pouvez également voir ici la sortie de la carte de goudron sur le toit. Le travail est en cours. Merci pour votre attention. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parlez à tout le monde de ce qui se passe dans la vie du projet. Cela aide beaucoup son développement. Et je vous souhaite de bonne humeur. C'est très important. À plus tard. Bonne journée.